C'est la mode pagaie les amis, aujourd'hui 171e jour de l'aventure. Je viens d'arriver, je viens de me réveiller, je viens d'arriver à Malang. Il est 4h du matin, heure d'arrivée comme prévu. Arrivé à l'heure prévue, c'est ça. Donc, j'ai réservé un hôtel juste pour une nuit, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire pour les jours suivants. Je vous ai expliqué, ce matin il faut que j'aille au bureau d'immigration. Donc je suis pas très loin, hein. Je suis à moins d'un kilomètre de mon hôtel. Donc pour l'instant je prends un petit café pour me réveiller. J'ai fait la connaissance de Nanda. C'est le matpagi. En fait, pour tout vous dire, je dormais dans le train. J'ai réussi à m'endormir sur la fin. Je sais pas, vers 1h du matin, j'ai réussi à m'endormir. Et en fait, là, le train s'est arrêté. Je dormais encore et il est venu me réveiller. Ah, on arrive à Malang. Je suis là, ok, super. Du coup, lui, il attend sa mère qui arrive de Bandung. Et on prend un petit café ensemble. Ben voilà, écoutez, je vais aller à l'hôtel. Et puis, je vais peut-être dormir un peu. Le truc, c'est que je pense pas que l'hôtel, que la chambre sera disponible. Normalement, j'ai réservé une nuit et c'était écrit que le check-in se faisait qu'à partir de 14h. Mais bon, je pourrais toujours poser mes affaires. Le bureau d'immigration il ouvre à 7h30, donc j'essaierai d'y aller le plus tôt possible. Essayer d'obtenir toutes les informations, connaître la procédure, savoir combien de temps ça prend. Et puis après je pourrais organiser la suite du séjour pour la visite du promo, enfin voilà. Même là ce matin j'ai pas encore les idées trop claires, il me faut un peu de temps pour me réveiller. Bon les amis, je viens de déposer mes affaires à l'hôtel, alors comme je m'en doutais, évidemment il n'y a pas de chambre de disponible, l'hôtel est plein aujourd'hui, j'ai quand même donné mon numéro de téléphone au réceptionniste, il m'a dit je t'appelle dès qu'il y a une chambre qui est prête, qui est propre, qui est nettoyée. Ça aurait été trop beau d'avoir une chambre maintenant, de pouvoir dormir quelques heures. Je vais essayer d'aller, je vais pas essayer d'y aller, je vais y aller dès l'ouverture au bureau d'immigration, ça ouvre à 7h30, alors, c'est loin d'ici, hein. Je sais pas comment y aller, voilà, c'est encore la nuit, même si vous entendez, il est 5h, il y a encore énormément, enfin il y a déjà beaucoup de trafic, je suis un peu fatigué. Hein. Il est 5h, il y a beaucoup de circulation, comme dans toutes les villes indonésiennes. Voilà, j'ai trouvé un mini-mart, c'est pas un Indomaret, c'est un Alfamart. Ouais, ça roule déjà, c'est la folie. Hein. Petit Nescafé et puis petite brioche, coquelate, je vous l'ai déjà dit, hein, ça vient de chocolate en anglais, donc brioche au chocolat. Je vais étudier le parcours, pourquoi pas y aller à pied, hein, ça va me faire du bien, tôt le matin comme ça. C'est à plusieurs kilomètres d'ici, hein. J'ai regardé vaguement tout à l'heure, enfin rapidement sur la carte. Les amis, me voilà encore arrêté dans un mini-mart, Alfamart. J'avais besoin d'aller aux toilettes, donc je me suis arrêté ici. Il y avait l'employé là qui était en train de balayer devant. Je lui ai demandé en indonésien, messieurs dames, je lui ai dit « Disini, ada kamar kecil ». C'est-à-dire « Ici, est-ce qu'il y a des toilettes ?» Et il me répond avec un sourire, voilà, encore une fois, la gentillesse des indonésiens. Alors vous allez dire « Jules, t'en peux plus, parce qu'il a juste accepté que tu utilises ces toilettes, c'est pas non plus… » Bien sûr, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, c'est la façon dont il m'a répondu avec un sourire « Ah, bien sûr, pas de problème, dans le fond du magasin. » Avec un sourire jusque-là, vraiment, ils sont tellement adorables, ces gens. Je pense que je vais vous le répéter souvent, mais c'est pas grave, même si je le dis tous les jours et que je le dis plusieurs fois par jour. Vraiment, les Indonésiens sont des gens adorables. Du coup, j'ai acheté une petite boisson, j'ai pris hydrococo, c'est de l'eau de coco, pour bien commencer la journée. Depuis tout à l'heure, en fait, je marche, hein, j'ai regardé sur Google Maps le bureau de l'immigration. C'est à 7 km, enfin c'était à 7 km d'où je me trouvais. Et en fait, c'est hyper simple, c'est la même avenue tout le temps, c'est tout droit depuis mon hôtel. Et comme j'ai rien à faire et que ça ouvre qu'à 7h30, ça sert à rien que je prenne un taxi ou autre pour arriver là-bas et attendre. Donc voilà, je marche le long de l'avenue. Alors, par contre, il y a beaucoup de circulation, mais voilà, ça me réveille tranquillement et puis voilà, je fais des petites pauses. Les amis, je vous retrouve dans une petite camionnette transport en commun. Je retourne à l'hôtel, c'est la grosse désillusion. Je suis arrivé un peu en avance au bureau d'immigration, j'avais eu le temps de prendre un petit café avant. Je me suis adressé au guichet d'information, il est très sympathique. Il me donne une feuille, il faut commencer par remplir cette feuille. Et après, vous allez à l'intérieur au bureau, vous prenez un ticket, vous attendez. Par contre,
vous pouvez pas rentrer en short, vous pouvez pas rentrer en short ni en tong. Il faut absolument des chaussures et un pantalon. Donc évidemment, je suis en short et en tong. Donc j'ai fait les 7 km ce matin. Alors, je ne sais pas, fait pour rien, c'était sympathique, ça me réveillait un peu, mais voilà, il faut que je retourne à l'hôtel chercher une paire de chaussures et un bas de pantalon. Vous savez, j'ai un short avec une fermeture éclair. Enfin, j'ai le bas, si vous voulez, qui va avec. Ah, j'étais content, j'étais en avant, je me dis voilà, ça va être cool et tout. Là, il faut que je retourne dans le centre et il faut que je revienne après. Il faut être correctement vêtu. Il faut savoir, hein. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les bureaux d'immigration. Si vous avez besoin de rallonger un visa, mieux vaut venir avec des chaussures et un pantalon. Ça y est les amis, je viens de sortir du bureau de l'immigration, ça s'est plutôt bien passé en dehors du fait qu'il faut mettre un pantalon et des chaussures. Ça s'est plutôt bien passé, ça s'est fait assez rapidement, j'ai pris un ticket à l'entrée, j'ai rempli un formulaire. Bon, ils demandent pas mal d'informations. Normalement ils demandent un sponsor, quelqu'un, un indonésien ici, voilà, qui garantit que vous êtes quelqu'un de bien, enfin voilà, non, il faut une adresse, quelqu'un d'indonésien. Bon j'ai bien Ayu, j'aurais pu la contacter, je lui ai envoyé un message, mais bon elle m'a pas répondu, j'y suis allé sans remplir les informations de sponsor. Et la femme elle m'a dit non, bon, t'as pas de sponsor, c'est pas grave, ils sont vraiment cool. Hein. Pareil, normalement il faut justifier le billet de retour, c'est-à-dire le billet d'avion avec lequel vous allez quitter le pays. J'en ai un, hein, mais je l'ai pas imprimé, je l'avais pas sur moi. Bon, c'est pas grave, tu le ramèneras mercredi. J'ai déposé mon passeport aujourd'hui, j'y retourne mercredi pour les emprunts et le paiement. Et jeudi après-midi, je reviens pour chercher le passeport, donc ça prend 4 jours. C'est plutôt cool. Dans une semaine, le 26, il faut que je sois à Surabaya. Si ça avait pris plus de temps, ça aurait pas été gérable. Surtout qu'après, c'est les vacances. Ils ont des vacances, c'est la fin du ramadan, c'est Aïd El Fitr. Donc ça aurait été assez compliqué si j'avais attendu un petit peu. Donc c'est très bien de le faire maintenant, 4 jours. Voilà. Bon, après, je vais être obligé de rester 4 jours à ma langue, mais je vais trouver de quoi m'occuper, éventuellement faire une petite sortie en ville, en dehors de la ville. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est prendre une douche. Alors, j'attends que la chambre se libère. J'ai laissé mon numéro de téléphone, quoi. Ils doivent m'appeler quand une chambre se libère. Ça sera peut-être pas avant 14h. Je suis de retour près de l'hôtel, c'est l'heure du déjeuner, j'ai vraiment très très faim, j'en peux plus, j'ai envie de prendre une douche. Il est quasiment midi, la chambre est toujours pas disponible, donc je me suis pas trop éloigné, juste à côté. Donc au menu ce midi, telur goreng, pekedel et tahoun, petite assiette de riz, je vais demander un petit peu de piment par-dessus, parce que je crois pas qu'elle en ait mis beaucoup. Et je vous souhaite un très très bon appétit les amis. Ça y est les amis, je vous retrouve, c'est déjà le début de soirée, j'ai réussi à avoir la chambre, il était... midi et demi à peu près. Bah évidemment, je suis tombé comme une merde. Donc j'ai fait que dormir. Et là, il est quasiment, je pense, 18h, voire même plus 18h. Vous voyez, il fait noir. J'ai pris une chambre un peu plus confortable parce que sur le chemin, j'ai retrouvé quelqu'un. Madeleine ? Hello. Hello. Et oui, j'ai encore retrouvé Madeleine. Madeleine était par ici. Elle est toujours là. Partout où je vais, il y a Madeleine. On a pris une chambre, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris une chambre un peu plus confortable. J'ai réservé une chambre un peu plus confortable. Petit balcon ici, ma foi, qui est très sympathique. Ensuite, voilà la chambre. Grand lit. Bureau, télévision. Bon, la chambre a l'air vraiment sympa comme ça au premier coup d'œil. Et elle l'est. Elle est sympa. Voilà. Et puis salle de bain ici. Oh, toilette. La douche. J'avais réservé une chambre un peu plus confortable et tout. Je me disais, voilà, on va être deux. Je suis avec Madeleine, ça sera plus sympa. Et puis surtout, j'espérais avoir un wifi digne de ce nom, un wifi qui fonctionne. Ça fait 2 jours que j'ai rien mis en ligne, 2 jours que j'ai rien publié. Donc je me disais, ce soir je vais en mettre 2, je vais arriver, le wifi ça va fonctionner super, je vais charger 2 vlogs et ça sera cool. Et en fait, non, c'est pas cool du tout. J'ai lancé le chargement. Ben, quand on est arrivé, je sais pas, il était... It was like 2 p.m. something like when I started to download. Il était 2h quand j'ai commencé à charger et on est à 18% depuis 4h. Ouais, je crois même un peu moins et un peu plus de temps. Enfin bref, le wifi, c'est vraiment pourri de chez pourri. Autant pour naviguer sur le net, regarder 2-3 applications, ça fonctionne. Mais pour charger une vidéo sur YouTube, c'est la grosse merde. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon, plus grave dans la vie, mais voilà, je voulais mettre des vidéos ce soir. Alors là, on va se balader et j'ai eu l'idée d'aller dans un McDonald's en me disant que le wifi serait peut-être plus performant. Donc j'emmène mon PC avec moi, on va essayer de trouver un McDonald's. Normalement, il y en a qui est pas très très loin. Alors, on va commander à 1000 chèques. À moins qu'on mange, on va voir. Peut-être que Madeleine aura envie de manger un burger. Bon, bref, on va essayer de charger un peu dans un McDonald's en espérant que ça soit mieux. Après, c'est peut-être ma langue qui est comme ça partout. C'est peut-être toute la ville qui a un réseau pourri. Donc on verra. Pour l'instant, direction la rue, on va sortir un petit peu, prendre l'air sur. Voilà, on va passer l'après-midi dans la chambre à dormir.
Voilà les amis, fin de journée à Malang. C'était une petite journée, hein. On a passé l'après-midi à dormir. Madeleine était crevée, elle arrivait du lac Toba, elle a passé une nuit d'escale à Jakarta. Moi j'ai pas beaucoup dormi dans le train, donc alors, on a passé une partie de l'après-midi à se reposer. Voilà, grosse déception sur la chambre, en tout cas sur le wifi. La chambre est bien, hein, franchement la chambre est correcte. Le wifi est vraiment pourri de chez pourri, je m'attendais à un truc voilà, que ça fonctionne bien vu la chambre. En fait pas du tout. On n'a pas du tout réfléchi à notre programme de demain. Moi j'ai pas d'obligation demain, il faut juste que je retourne au bureau d'immigration mercredi matin et jeudi après-midi pour récupérer le passeport. Donc voilà, on n'a pas encore trop réfléchi si demain on reste à Malang, on visite un peu la ville ou si on sort à l'extérieur, on verra, je pense, demain matin quand on se réveillera. Voilà, donc ce soir on est au McDo parce que voilà, comme ça fonctionnait pas le wifi, je veux absolument publier ce soir, je vais publier là d'ici 10 minutes, un quart d'heure. On est arrivé sur place, on dit bon, maintenant qu'on est là, au départ on voulait juste prendre une boisson, on dit on va goûter quelque chose. Donc Madeleine a pris un classique, elle a pris un Big Mac, il y a les sandwichs classiques et puis il y a des menus plus locaux, on va dire. Moi j'ai pris genre de poulet frit. Cuisse de poulet, enfin vous avez vu sur les images, poulet frit avec une portion de riz, omelette, honnêtement c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, j'ai à peine terminé. Et j'ai allumé le PC, j'ai commencé à lancer le chargement. J'ai chargé 3 vlogs en 1 heure les amis. Ici ça a mis, j'ai chargé 17%, je sais plus, en 4 heures. Là, 3 vlogs en 1 heure, bon je suis très très content, j'ai pu charger 3 vlogs, c'est cool. On sait pas si on va changer d'hôtel ou pas, hein, parce que franchement, voilà, le fait que ça fonctionne pas, ça me fait un peu chier quand même d'aller au McDo tous les soirs pour charger un vlog. On va réfléchir à ça, il faut qu'on réfléchisse à notre programme, savoir si on change d'hôtel. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Malang, en Indonésie. Ciao, good night.